Ce qui m'intéresse juste, et on terminera là-dessus, le déferlement de haine et de critique que tu as dû vivre certainement pendant des mois. Ouais. Des années. Des Même années. encore maintenant, je reçois Ah, des même fois des encore trucs. aujourd'hui? Ah ouais, non, je reçois même encore maintenant Tu des l'as trucs. vécu comment? Enfin, psychologiquement, ça doit être juste. En fait, ça a été dur parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que beaucoup de gens disaient du mal de Marie dans la YouTube, dans le YouTube game, YouTubeuse beauté. Tout le monde, en fait, crachait sur Marie, disait du mal. Et moi, justement, comme bah, je m'estimais un peu comme sa grande sœur, peut-être à tort, ça me faisait de la peine que tout le monde dise du mal sur Marie. Et je me disais, mais Marie, je voulais juste lui dire, mais réveille-toi. Et du coup, les gens, en fait, m'avaient dit, bah, on va te soutenir, on va. Et en fait, quand il y a eu le déferlement de haine, mais tout le monde est parti, en Quand tu fait. dis les gens, tu parles de youtubeuses. Je parle de youtubeuse. Qui t'ont dit, vas-y, lâche tout, lâche l'affaire, raconte tout dans une vidéo et on te suivra. Et elles t'ont pas suivi. Non. Tu peux donner des noms ou Non. tu n'as pas envie d'en Non, non, non. donner? Parce que je veux pas faire de polémique. D'accord. Mais je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu sais, quand tu commences YouTube et que finalement, peut-être que tout s'ouvre à toi, tu perds un peu pied. Ça arrive de perdre pied, tu vois, c'est humain. Faut pas en vouloir aux gens. Mais des fois, en fait, tu sais, c'est difficile. Des fois, même toi, avec ta propre famille, des fois, tu réagis mal, tu vois. Bien Et sûr. moi, voilà, j'ai trouvé que ce biais-là pour essayer de crier à Marie, réveille-toi, Marie. On est là pour toi. Je suis là pour toi. Je t'ai jamais lâché. Je m'en fous que tu aies 1 million, 2 millions, 4 millions, 2 abonnés. Moi, de base, quand j'ai vu la première vidéo de Marie, j'avais l'impression de voir ma petite sœur. Et c'était un appel, en vrai. En vrai, c'était un appel. Il était mal fait. Il était. Ouais, c'était mal fait, tu vois. Maintenant, j'ai eu l'occasion de parler avec Marie de ça. Tu vois, j'en ai reparlé un petit peu, mais. Depuis 2015? Ah bon, vous en avez reparlé? Ah ouais. Et alors, vous n'avez pas enterré la hache de guerre? Vous étiez si proche, vous ne pourriez pas redevenir amis? Vous vous êtes croisés à Ouais, mais l'événement Fenty Beauty? on s'est même, croisés avant. Moi, si tu veux, honnêtement, sur Marie, ma porte, elle est ouverte parce que finalement, Marie est loin d'être la pire des youtubeuses. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment. On fait beaucoup de matraquage. Je te dis, elle a eu son passé. Je pense que voilà, je pense qu'on fait tous des erreurs de jeunesse. Tu vois, c'est important de savoir pardonner aussi des choses qui sont faites et qui ne sont pas bien. Et moi, je sais que tout ce qui a été fait, c'était sale, mais que on peut pardonner aux gens parce Bien que des sûr. fois, tu sais, c'est pas. On fait les choses parce qu'on a peur, on se protège. Et je pense que peut-être que tu sais, des fois, tu veux te protéger de certaines choses et tu te protèges des mauvaises personnes. Tout comme moi, j'ai peut-être pu aussi le faire. Mais quand tu creuses un peu pour pas mal d'autres histoires qui me sont arrivées après, finalement, celle-là, c'était dur à gérer, le harcèlement et tout. Mais en fait, il y a eu des trucs pires. C'est pour ça que maintenant, tu vois, quand tu me dis est-ce que tu as des amis, je te dis, bah, j'ai Oria, c'est mon amie, mais j'ai tellement eu mal, j'ai tellement souffert, je me suis tellement remise en question, tu vois, qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur. En fait, tu sais, t'as une peur, et j'ai Oui. tellement peur qu'on me remette, bah, en fait, à bout, que je me dis, non, faut que je garde mon énergie pour mes warriors, quoi. Donc Si elle t'envoie un petit message, je sais pas, voilà. est-ce que tu Marie? lui répondrais? Parce que tu as dit ma porte reste ouverte. Mais Marie, je lui ai envoyé déjà des messages, il n'y a pas de souci. Même des fois, tu sais, j'entends des choses pas cool sur elle et je lui envoie un message en lui disant fais attention. Parce qu'en fait, tu sais, moi, du moment où tu as été dans mon cœur, je veux pas blesser. Tu Elle vois, te répond? Marie, Oui. ça dépend. OK. Voilà.